Saiyan. Oui, voici Captain Fleur de SF, plus connu sur le nom de champion MC, on se retrouve pour une nouvelle nouvelle aventure sur SF de jeu. Je cherche comment le dire. The Age of Empire Definitive Edition. Je savais pas qu'il y avait ça. Dans le fond, c'est une promotion, tout ça. C'est ça qui m'intéressait en particulier. Ouais. Ça va être le fun. Tellement différent de l'autre Age of Empire. On va passer une partie seule. Campagne, non. Personne ne le sait. C'est fou comment que ça peut être ce que j'ai vu de choix. On va faire deux. Ok, si c'est toujours dans le même, là, c'est fatigant. Point négatif, civilisation. Assyrien, babylonien, quatre chinois, grec, itec, macédonien, minoen, palmyrien, perse, toujours perse, phénicien, romain, sumérien, yamato, égyptien. Y'a pas Perse? Non, pas Perse. Comment ça s'appelle? Des Spartiates. Y'a pas des Spartiates. Ah! Je vais prendre Perse comme d'habitude, mais... Je vais prendre Romain. Aléatoire. Oh, Babylonien. Mode de jeu. Carte aléatoire. Combat, mort, scénario. Carte aléatoire. Type de carte, c'est sûrement les mêmes affaires, mais ça va être aléatoire. Taille de la carte, pourquoi pas ça? Révéler la carte normale. Non, je veux faire... Ah, c'est quoi la différence avec explorer? Ce qui m'énerve, la fenêtre. Quelle différence entre explorer puis entièrement dévoiler? Ah, peut-être explorer c'est explorer puis entièrement dévoiler c'est... On peut tout faire. Ok, je reste à normal. Population maximum. Oh, on peut aller jusqu'à 200. Oh, tout ça c'est con, c'est intéressant. Ressources abondantes. Alors je départ par défaut. Orge de pierre, orge de l'outil, orge du bronze, orge du fer, orge... Après l'orge du fer, hein, c'est différent. Ça va être par défaut, je veux découvrir. C'est la première vidéo, je peux vous dire. Je vais sortir une première vidéo en essai de jeu, mais... Je vais dans la section aussi, dans Age of Empires 2. Sinon j'en fais une autre. Je pense c'est Age of Empire, puis j'ai pas le 2. Je sais pas. Au plus je vais refaire une affaire avec ça. Okay. Type de victoire standard. Niveau de difficulté standard. Vitesse normale. Mode de jeu. Oh, on peut mettre. Oh, on peut jouer classique avec. Oh. Oh, je vais essayer ça. Arbre, commencer. Ah, eux autres, j'ai pas de musique. Elle commence comme ça. T'es sérieux? Ça commence plus beau que Age of Empires 2. Oh shit. Le principe, ben, je le connais quand même. On s'entend, il n'y a pas de cavalier. Il faut de la nourriture. Oh, shit. Désolé, je suis perdu. Ah, c'est quoi ça?
Oh, une chose qui est ça, je perds pas trop mes repères, ça c'est ça. Faut que je trouve la nourriture. C'est spécial. Graphiquement, c'est beau. On dirait pratiquement un RPG Maker. Off qui est troué là. Bon, je vais rester avec ça là. C'est habitué de même en plus. Ah, j'ai trouvé de l'or. Ok, je fais un coin de. Sans avoir. Que voulez-vous? J'ai trouvé la pierre. Oh, ça se fait auto. Éléphant pour être chassé pour obtenir de l'énergie. D'accord. Hanche de l'outil. Aussi large aussi. Requis de bâtiment appartenant à l'arche de pierre. Ok. Je vois rien. Donc je vais pas racheter pour ça. Ok, une maison parce que oui. Il va en falloir 4. Et c'est cheap ça par contre. Non, là par contre c'est cheap. Hop la main. Il reste combien? En bois. Elle c'est pas. Parfait, toi. Après ça, il y a caserne, il y a grenier. Utilisé par les villageois pour y déposer de la nourriture pouvant provenant des buissons, abeilles et des fermes. Peut rechercher des améliorations pour murailles et des tours nécessaires pour construire des mains. Lion, je le perds. Ah, il y a une annonce là. Facile. Une petite cloche. Il va mourir. Tarahi, Alamas, Aïssa. Voilà. Forum, vous romain. Ok, moi je suis romain, il y a un éléphant, au moins je vais avoir de la nourriture déjà. Continue ton bûchage. Le poids d'ensemblement. C'est bon. Point de stockage. Port. Bon, je vais faire un port, mais je pense qu'à date, il n'y a pas de point d'eau. Faut deux bâtiments. Ah, un salon à grenier. Je sais pas qui est B, mais. Ce n'est pas grave. Faut qu'on. Faut deux bâtiments. 500 no sir. Le 500 c'est bon, c'est le deux bâtiments que j'ai pas. Par contre, laissez-moi une chance. Niveau maison, par contre, ça je suis déçu. J'aurais pu laisser ça à 5 comme avec Age of Empire 2. À la place. Hein? Ça c'est bien la donnée. Dans le fond, qu'est-ce que je vais faire là, c'est... Je découvre le jeu, puis la prochaine fois, ça c'est vraiment un essai de jeu.
Puis la prochaine fois, ça ne sera pas un essai de jeu. Là, je vais quitter. Quitter. C'est sûr que moi, j'ai pas grand chose, mais moi, je découvre. Là, il est différent. Ah, oh, on peut l'associer avec Xbox. Ah, oh, ok. Là, cette fois-ci, on va aller carte entièrement dévoilée. Puis on va commencer ici. Ah. Attends un peu, pause. Appuie sur F3 pour la reprendre. Crocodile. Ah ouais. On sait qu'ils sont là. C'est beau. Waouh. Oh, c'est des crocodiles. Le Nil. C'est cela. C'est intéressant. Je vais voir. Là, on va. Je vais juste découvrir. Là. Comme que je vous dis. Je vais faire un combat à mort. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a plusieurs sources. Pour plus de défis 25. Ah, mon dieu. Ça doit pas être évité. Entièrement dévoilé, âge, l'âge du fer. Commencer. Ah, c'est beau. Hello, hey. T'as une maison qui ressemble à ça. Une caserne. Puits de stockage, mais pour grenier, stockage, c'est quoi ça? Ah, c'est le port. Une tour. Ok. Une ferme. C'est intéressant cette version là, je suis pas déçu. Atelier de siège, je sais pas pourquoi ça sort. Académie, vous avez vu ça, c'est ce qui m'a fait atterrir sur le jeu. Du coup, c'est ok. Oh, c'est ça leur merveille. Un Sparte. Ah. Je le ferai pas par contre. Siège du gouverneur. Temple. Puis on fuit. Nous ressemblons quand même à. Oh, déjà du forum. Oh, les guerriers. Le centurion. Ah, puis si tu veux vraiment ces termes. Ah, ouais. Siège du gouverneur. Utilisé pour débrouiller des technologies qui. Ok, ça c'est comme l'université. Dans le fond. Quand arc. Archer. Ça c'est fantasin
H, Antonin et Pico et Frondeur. Catapulte lourd et les polis. C'est quoi ce machin truc là? Ça, une plâtre. Centurion. Ceci, éclaireur et cavalier lourd. Non mais c'est fun cette nouvelle version. Ça c'est l'éclaireur. Non, j'aime bien cette version là. Ah, catapulte. Oh, c'est du fer. Oh, centurion. Regardons ça. Oh, c'est fort. j'avoue que c'est fun. Ça c'est que toujours la nourriture pas loin, de la pierre, de l'or quand même assez à proximité. Les baies poussent pas trop loin, je dirais. On peut dire qu'il y a la nourriture pas trop loin au moins. Et c'est beau. Je vais être honnête avec vous, c'est beau. Ok, il y a vraiment 4 âges, du coup. Ok, je pensais qu'il y avait 5 âges. Elle construit vite quand même. Intéressant ce jeu-là. J'aime bien cette version-là. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien aimé cette petite aventure de essai de jeu avec Age of Vampire Definitive Edition qui est... Canadien, je trouve ça bien. J'ai hâte de découvrir davantage et être meilleur aussi pour ce jeu. C'est bon à savoir aussi... Il n'y a pas de château là-dedans. Dommage. Faut que je sais comme genre découvre Age of Empire, mais d'une façon complètement différente. C'est à peu près cela. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'essai. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller sur mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Au moins, la mécanique est la même. Au moins. Ça, c'est le fun. Pour ça, je trouve ça le fun que la mécanique soit la même. Une arbalète géante. C'est ça. Une hélipolis. Ah, oui, un peu comme... Mon dieu. D'accord. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.